Salut à tous, c'est Tease la Peste. J'espère que vous allez bien. Je viens par cette petite vidéo vous faire voir une technique que j'ai mise au point avec des gars de ma team qui est assez efficace. Ça se déroule dans le mode de jeu MITD. Donc ça, on va en revenir un petit peu par la suite. Juste tenez à dire que je fais cette vidéo spécialement pour la chaîne Code QG, code CF, mais je pense que ça va être code CF si jamais je suis uploadé. Donc d'avance, je vous remercie. Vous avez déjà uploadé plusieurs de mes vidéos. Donc voilà, ça c'était pour les remerciements d'avance. On va continuer avec le gameplay. Donc vous voyez que c'est le mode MITD qui se déroule sur la map Arcadène. Le début de partie, il se déroule assez mal. Parce que on connaît tous ce genre de partie, on n'arrive pas à rentrer dedans. Je vais pas me donner des excuses. Mais j'arrive vraiment pas à commencer. Donc vous allez voir qu'au début le niveau de jeu il est pas terrible. J'étais tout seul sur la map, je connaissais personne de chaque côté. Jouais avec la classe monnaie, donc avec la M4. C'est ma classe préférée, même si de temps en temps j'aime bien jouer avec la MP5 ou le L118. Petite astuce au passage, quand vous voulez rusher sur la bombe et que au démarrage de chaque partie vous êtes sûr de pouvoir l'avoir, je vous conseille de prendre la deuxième classe, la classe MP5. Et au moment où le jeu commence, la partie commence, vous switchez sur l'arme secondaire, c'est la MP412, et vous rushez comme un taré, et normalement quand vous faites ça vous êtes sûr d'avoir la bombe. Donc je vais revenir sur la technique de jeu. Alors ma technique c'est de passer en spécialiste. Donc c'est ce que je vais essayer de faire tout au long du début de cette partie. Au passage gros fail, je me lance la grenade dans la gueule, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est ce que je vous disais, d'essayer d'avoir le spécialiste. Parce que je me suis rendu compte ces derniers temps, notamment sur CodeCF, il y avait une vidéo qui avait été uploadée dans gameplay en MITD aussi, où, alors je sais plus le pseudo de la personne qui a fait la vidéo, mais en tout cas je me rappelle qu'on voit la personne ramasser le mastodonte sans être spécialiste, et au fur et à mesure qu'il fait ses kills en mastodonte, pardon, les kills sont comptés pour les séries d'élimination, et il arrive à débloquer le spécialiste, le bonus spécialiste avec le mastodonte. Ça moi je crois que c'est que sur Xbox 360 et sur PC, parce que moi je joue sur PS3 et ça se passe pas du tout comme ça. Alors quand je vois des vidéos comme ça, à chaque fois ça m'étonnait. Alors je me suis renseigné un petit peu sur le sujet, hein, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais je crois bien que c'est que sur Xbox 360 et PC seulement qu'on peut faire les séries de spécialistes avec le mastodonte. Parce que sur PS3, si vous êtes mastodonte et que vous avez aucun atout, quand vous allez tuer, chaque fois que vous allez faire un kill, ça va pas du tout vous débloquer les atouts spécialistes. Donc c'est pour ça que ma technique en fait consiste à débloquer ces atouts spécialistes avant de ramasser le mastodonte, chose assez difficile. Vous allez voir que je vais essayer à plusieurs reprises de les débloquer, mais je vais pas les avoir du premier coup. Donc là, je m'étais posté à l'avant-poste des escalators. Je campais pas, hein. J'essayais juste de protéger le masto pendant que moi j'essayais de me mettre en spécialiste. Il y en a qui vont dire que je campe, hein. Si vous voulez vous pouvez dire que je campe, hein. Je vais pas rester là longtemps, de toute façon je vais me faire démasquer assez vite par les ennemis qui arrivent en face, qui spawnent sur C je crois, et vous allez voir que je vais pas rester longtemps. Mais j'essayais d'être en spécialiste, hein, parce que c'était, j'étais pas là, j'étais là vraiment pour faire une web, j'étais tout seul, je me suis dit bon je vais essayer, j'ai déjà réussi à en faire une, en faire plusieurs même tout seul, j'en ai fait deux ou trois je crois, et donc j'essayais vraiment de faire ça. Je crois que c'est à partir de ce moment là que je commence ma série, je vais plus mourir à partir de là. Ce qui est important, je vais vous donner quelques astuces aussi en MITD, ce qui est important c'est de pouvoir bloquer bien les spawns ennemis. Le but du jeu c'est quand même de poser la bombe, hein, je le rappelle. J'essaie toujours de le faire, hein, pour marquer des points en plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent cette technique. Donc de faire le plus de kills d'affilée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en MITD pour augmenter leur ratio, on va dire.
Au passage, je viens de débloquer les atouts spécialistes, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir aussi que je suis en galère de munitions. Je vais bientôt être en rade. C'est un peu l'inconvénient aussi quand vous jouez à MTD, hein, c'est que vous avez pillard, mais si vous êtes assez reculé des ennemis, vous n'avez pas forcément de munitions à ramasser. Donc je reviens à ce que je disais, je sais plus ce que je disais. En tout cas, vous voyez que j'ai débloqué spécialiste et que je vais tomber en rade de munitions. J'ai plus du tout de munitions, donc il me reste que mon arme secondaire. Donc je vais prendre des risques parce que là j'attends qu'une seule chose, c'est que le mastodonte de mon équipe tombe et que je puisse ramasser la bombe à sa place. Alors ça c'est une chose assez difficile à faire, surtout quand la personne qui est mastodonte, vous ne la connaissez pas du tout. Et donc j'ai retrouvé ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est n'importe quoi de faire ça, de faire des séries plutôt que de jouer l'objectif. Donc là vous allez voir que je vais quand même jouer l'objectif d'une certaine manière. J'avais plus le temps de toute façon, mais la plupart du temps j'essaie toujours d'aller poser la bombe. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de mérite à faire ceci. Et donc vous voyez que le masto tombe devant moi, donc j'ai de la chance. J'arrive à récupérer la bombe directement. Vous voyez qu'il reste pas beaucoup de temps, il reste à peine un peu plus de 3 minutes. Et donc à partir de là, je vais faire des gros rushs. On va pas appeler ça des gros rushs, mais je vais pas rester campé dans un coin parce que je vous déconseille de le faire. Si vous voulez employer cette technique-là, il faut vraiment bouger, il faut comprendre d'où l'ennemi vient. Et surtout, il faut aller vous mettre à côté de vos coéquipiers. Parce qu'avec le mastodonte, vous voyez que maintenant j'ai les atouts spécialistes, je cours très très vite. Je vais à une vitesse assez impressionnante. Ça c'est dû au fait que quand je ramasse le mastodonte, je suis spécialiste. Sinon si vous n'avez pas tous les atouts, vous ne courez pas du tout à cette vitesse et ça devient beaucoup plus difficile. Vraiment même très difficile de bouger assez rapidement et vous faites assez facilement coincé dans un coin par les ennemis. Et quand vous êtes coincé dans un coin, qu'on vous flashouille dans tous les sens, vous êtes stun, vous savez plus quoi faire, vous savez plus vous donner de la tête, vous prenez les grenades dans tous les sens. Comme ici par exemple, là où j'ai bien failli mourir mais je m'en suis sorti. Donc c'est vraiment pas la meilleure des techniques, il faut vraiment bouger, pas rester statique. Je vous conseille aussi d'être dans un endroit comme je suis, c'est-à-dire qu'il y a minimum 2 étages, parce que ça a un avantage en fait, l'avantage de que l'ennemi vous voit sur son radar en permanence, et que quand vous êtes sur une zone où il y a 2 étages, quand l'ennemi vous voit sur la minimap, il ne sait pas à quel étage vous vous trouvez, et ça c'est un avantage pour vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil encore? Vous voyez que là à chaque fois je reviens toujours vers mes coéquipiers, parce que quand moi je suis dans l'impasse on va dire, ça permet que mes collègues me protègent, me couvrent, m'escortent. Même si là je les connaissais pas, ça se fait assez naturellement au final, hein, vos coéquipiers vous couvrent naturellement je vais dire. Donc voilà, je vais revenir plusieurs fois, je vais bouger, je fais des allers-retours, c'est ce que je vous conseille de faire. J'essaie de descendre voir s'il y a du monde de ce côté, je sais qu'ils sont sur la fontaine au milieu à chaque fois. Mais je vois personne, j'arrive quand même à faire un kill. Je comptais pas du tout les kills, je sais pas si vous avez compté dans la vidéo. Vous voyez que je me mets souvent à l'abri, dès que je suis dans le rouge, il faut aller se mettre à l'abri, récupérer sa santé. C'est vraiment une des choses importantes, parce que une fois que vous commencez à être dans le rouge, ça va très très vite, il suffit qu'il y ait 2 ennemis qui vident un chargeur sur vous, et vous pouvez mourir assez rapidement. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mourir à 2 ou 3 kills de la Moab, et c'est vraiment rageant. Alors lui je l'avais vu monter de l'autre côté, donc j'avais fait le tour pour venir le chercher de ce côté là. Donc voilà, vous voyez que là j'ai pas réussi à débloquer encore la Moab, donc je commence à me presser un petit peu, je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, je me dis c'est mort, je pourrais pas la débloquer, je pourrais pas poser. Et puis finalement je la débloque, sur une double élimination en plus. Et je me dis bon, je vais quand même essayer d'aller la poser, et puis c'est là que je commence à faire n'importe quoi et que je me fais tuer. Donc voilà, j'ai pas réussi à continuer ma série, j'ai quand même débloqué la Moab, mais je me suis dit aussi que vu qu'il allait y avoir une prolongation, parce que de toute façon l'ennemi n'aurait jamais le temps de venir
posé la bombe chez nous. Je me suis dit, je vais garder ma moab au chaud. Je l'ai mise sous le coude, bien au chaud, dans ma culotte. Et j'ai attendu donc la prolongation. Et vous allez voir que, petite kill cam finale, en plus c'est moi qui me fais tuer les 118, ah sympa. Et vous allez voir que je l'ai gardé au chaud, et donc je la déclenche instantanément, parce qu'en 10 secondes, de toute façon personne n'aura le temps d'aller tuer un ennemi. Et là, je tiens à préciser que je suis dans le mode studio, donc je vais faire le montage, je vais recoller la vidéo, parce que bien sûr, ça a VRH kit en face. Et donc, je fais péter la moab, et puis finalement on gagne la partie. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que je joue quand même un petit peu l'objectif, parce que j'attends pour pouvoir être sûr de gagner la partie. Et au passage, je fais toute l'équipe adverse. Donc voilà, j'espère que ma technique pourra en aider certains à faire la moab assez facilement, pardon, sur ce mode de jeu MITD que je trouve très sympa. Même s'il y en a beaucoup qui sont pas là pour jouer l'objectif. Moi j'aime bien faire une série de kills d'abord, et puis ensuite m'occuper de l'objectif. Si tout le monde faisait ça, je pense que ça se passerait plutôt pas mal. Après, je critique pas ceux qui jouent l'objectif, hein, parce que des fois on va poser la bombe directe aussi quand on joue. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne si mon gameplay vous a plu. Vous trouvez ma voix sympathique. Si vous la trouvez pas sympathique, vous avez le droit de toute façon. Et voilà, je vous invite à vous abonner aussi. À très bientôt, et puis sur ma chaîne ou sur Code QG. Tchuss !